Bonjour, aujourd'hui je vous emmène aux 30 ans de la Fondation Brigitte Bardot. C'est la maison de vente Rossini qui organisait une grande exposition avec à peu près une centaine d'artistes, un peu plus je crois. Donc j'ai fait don d'une œuvre et j'ai aussi réalisé le portrait de Brigitte Bardot en live le soir du vernissage de l'exposition. Voilà, tout ça a donné lieu à une vente aux enchères au profit de sa fondation sous le parrainage de Henri-Jean Servat et Mylène de Bongeau. Je vous montre un peu le catalogue de l'exposition. Et puis en fin de vidéo, je vous diffuserai aussi un petit peu les images de la vente, les images de l'exposition et puis surtout le petit mot que Brigitte Bardot nous a adressé par téléphone le jour de la vente aux enchères. Démarrer la vente. J'ai raconté tout à l'heure que c'était ton chien qui avait décroché.
décrocher le téléphone après être occupé. Oui. Alors, ça fait rire toute la salle et je sais qu'on est déjà 10 ou 12 lots vendus. Et cher maître, on a combien à peu près de lots? Presque 12 000 euros. C'est déjà presque 12 000 euros de déjà qui sont entrés dans les caisses de la Fondation à l'occasion du 30e anniversaire de sa création. Oh, c'est formidable, formidable. Écoute, je suis extrêmement ému. Et vraiment, je remercie tout le monde, vraiment profondément, de l'aide que vous apportez à la Fondation. Pour moi, c'est un miracle, vraiment. Parce que depuis 30 ans, on a fait beaucoup de travail. Mais il reste tellement à faire, tellement de choses à faire, que votre aide est indispensable et tellement précieuse. Alors, je vous remercie infiniment. Grâce à vous, on va sauver encore plein d'animaux. Et vraiment, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on les sauve. Et vous avez vu dernièrement encore ces histoires d'abattoirs épouvantables. Il faut absolument qu'on donne aux hommes la pression que l'animal n'est pas un objet. Il faut absolument qu'on change les mentalités. Et là, ça va être très dur. Et vous m'aidez beaucoup dans ce combat, vraiment. Alors, je vous remercie de tout mon cœur, je vous embrasse très fort, et si en plus d'acheter des jolies œuvres d'art données par des artistes merveilleux, vous avez envie d'adopter un chien ou un chat, ne vous gênez pas, parce qu'à la Fondation, on en a beaucoup, et ils ne décrochent pas tous au téléphone. Vraiment, ému aux larmes. Vraiment, je remercie tout le monde. Bravo!